Alan Théo. Emmène-moi. Oh, c'est belle rêve, ça. On l'a. I know you wanna give it up. Et on l'avait revu dans un reportage où il était conseiller financier, oui, et qu'il faisait du rock dans des clips à poil. Je sais que tu l'as vu, celui-là. Il avait un fion ici. Tu te rappelles pas de ce gars? Ah, il avait un fion. Ouais, il avait un fion de... Le fion de menton. Le menfion. Yo, les amis. On est de retour sur cette chaîne à la fois ludique et magique. Et lubrique. Et lubrique. Ah bon? Faut nous le dire avant de nous inviter. La magie, on aime bien. Parce que là, c'est un nouveau concept. On vous a pas expliqué exactement ce que ça va être, mais vous inquiétez pas. Vous êtes pas à l'abri de vos surprises. Mais c'est toujours un plaisir. Merci de l'invitation. Et comme toujours, des invités de très haute facture. Qui décaissent la TVA. Non, c'est bon. Avec plaisir. On parlait des Poetic Lovers en plus juste avant. Juste avant, bien sûr. Très bonne discussion. Monsieur Benjamin Tranier, monsieur Benjamin Verica. Là, on n'est pas loin d'être dans l'élite. Et il y a un Covid. Benjamin Covid. Je te permets de... Décalons-nous, décalons. Bien sûr. On va jouer à distance. Est-ce que tu peux nous raconter les règles de ce jeu qui s'appelle le pitch de ouf? Ici, on a des noms de films. Ok. Ok. Et ici, on a des listes de mots. Le but du jeu étant de nous pitcher le film en incluant les mots imposés. Ok. Deux types de mots. Des mots bleus qui sont... plutôt simple normalement, comme, et comme dirait Christophe, exactement, tout à fait, et des mots rouges qui sont un peu plus compliqués. D'accord. Chaque mot bleu compte un point, chaque mot rouge compte deux points. Les autres participants, et c'est là que ça score, seront munis de buzzer. Bien sûr, vous pouvez faire des variantes, ça marche aussi. Le but du jeu pour les autres participants est donc de trouver les mots qui ont été imposés. Du coup, quand on a l'impression que le pitch n'est pas bon du tout et qu'il y a un mot qui est là exprès pour... Il y a une roche. On dit ça. Tu me meutes. Tu me meutes. D'accord. Si tu le meutes correctement, l'autre s'arrête de pitcher. Et ensuite, on comptera le nombre de mots qu'il a réussi à placer. Okay. Si tu meutes en te trompant. Tu me meutes en te trompant, le mec continue son pitch, mais toi tu prends un moins 1. J'avais une question, donc oui. Un temps limité. Il y a un temps limité, c'est-à-dire que c'est à 2 minutes. Chaque truc faisant une minute, on le retournera une fois, et c'est le temps de ton pitch. On va laisser les créateurs. Ouais, les créateurs du jeu, les brains. Alors, à chaque fois, on vous laisse quand même 10 secondes pour prendre vos mots et comprendre un petit peu comment tu peux les placer. Ensuite, ça démarre. La Belle et la Bête. C'est bon. Ça va pas être facile de nous avoir. Ah, que c'est compliqué. 2 et c'est parti, mon ami. Donc La Belle et la Bête, bah, c'est un joli conte déjà, je pense qu'on peut, on peut commencer par là. On peut commencer par là, ça pose pas mal de questions sur justement la, tu vois, la beauté physique, la beauté extérieure, la beauté intérieure. Faux, moins un. Et ça pose aussi des questions sur voilà, l'argent versus l'intérieur, quoi, la beauté, tu vois. De ce que je me rappelle, je crois qu'il y a une énorme, un espèce de monstre qui vit dans un château avec plein d'objets qui prennent vie, j'ai l'impression, qui sont, je me rappelle plus des catégories, mais ça doit être une théière, il me semble. Oui, oui, il te semble bien. Il me semble bien, il y a une théière, il y a quoi, il y a un... Là, un chandelier. Il prépare le mot. Ouais, il prépare le mot. Et chandelier, c'est bien. Il est sur le tremplin. Il est sûr, il va y avoir un rameur. Ah mince, non. Non. Oui, oui, bien sûr. Un truc, un autre objet. Sac à dos. La bête a un peu peur de lui dévoiler son amour, c'est ça, de mémoire. Il me semble qu'ils ont une relation épistolaire, hein. Je suis pas sûr. Allez, épistolaire. Faux. Oh là là, il a sur épistolaire. Il m'a fait Ah, t'as fait une feinte. Voilà, on peut parler de correspondance peut-être. Correspondance. Ah putain, il est pas tombé dedans. Placé ou pas? J'ai placé catégorie, question. Ah, question, j'en sais pas rendu compte parce que quand il est question de. Bien placé. Ah, il est pas con. Il est pas Et je sais plus si j'ai réussi à dire leader, je crois pas. Bon, on va partir sur nom alors. Non, bon, ça me fait deux points. Ouais. Alors j'avais leader, sac à dos. Ah oui, je l'ai dit, sac à dos, trois points. Sac à dos, catégorie, question, volcan. Après les mots volcan. Rouges. Ouais. Ah non, tu l'as pas dit. Non, j'ai pas dit. Les mots rouges, tabagisme, suppléance, irritation, agriculture, correspondance. Merci Mike pour ce choix de mots de qualité. C'est notre juge ultime qui a fait les mots. Bah, par souci de transparence et pour pas qu'on les connaisse à la base. On voit son Instagram. Alors, mec, ouvert que aux demoiselles, ouais, j'ai l'impression. Comment tu voulais qu'il place irritation entre La Belle et la Bête? T'avais déjà des idées C'est le 2. C'est le 2. C'est pas le nom des films.
Ah d'accord, ok. Ouais. Ah oui, on l'a fait vraiment. D'accord. Oui. Autant sur le petit bac d'eau, on vous baise un peu, mais sur ça, non, c'est bon. C'est vraiment. On vient d'en apprendre. On vient d'en apprendre. Benjamin, t'enchaînes. Allez, donc je choisis mon film ici, un peu au hasard comme ça. Oui, c'est le premier. On est en close-up. T'en prends un pif si tu veux. Allez, je pars en close-up. Si tu veux. Retour vers. Back to the future. Back to the future. Un classique. Un classique s'il en est. Ok, c'est parti. Alors, Retour vers le futur, donc c'est un film américain où un jeune va remonter dans le temps avec un vieux docteur. Donc, il se rencontre lors d'une fusillade dans un parking avec des Tchétchènes, je crois. Enfin, il y a un truc, vous savez. Tchétchènes. Tu prends ton moins un. Allez. Il est malin. Michael J. Fox, qui joue l'acteur. Qui joue l'acteur. Qui joue l'acteur, voilà, il veut pas dire la vérité à sa copine. Ouais. Sa copine, là, qui est dans sa petite amie. C'est très long quand même. Vérité ? Vérité. Oh ! Mais j'avais menstruation et fistinière. Je mets quoi après ? T'en as placé ? Ben non, je l'ai pas placé, fistinière. T'as réussi à placer des mots ? J'ai réussi à placer fusillade. Putain, j'étais sur fusillade et tchétchène. Moi j'étais sur parking. Non mais comment je place fistinière dans Retour vers le futur ? C'est le 4. Mais je l'ai pas vu moi. Je l'ai pas vu. T'es de retour ? Ça y revient. Donc t'en as placé ? Ben je n'ai placé qu'un seul. Un bleu ou un bleu en plus. Alors à moi. Monsieur Tranier ! Allez. Star Wars, top, c'est parti. Alors, voilà, c'est un film hyper sympa. Bon, en gros, il y a deux choses, deux catégories. Ça se passe dans une autre planète. C'est pas une planète, c'est interstellaire. C'est une autre galaxie. C'est toute une galaxie. Voilà, c'est des gens comme ça. Donc, t'as la force gentille. Les fans de Star Wars, oui. Là, je vais sur Twitter, hein, c'est fini. Hein. Je vais me faire allumer. Hein. Donc, il y a les gentils, les Jedi et les forces du mal. Tout ce qui est représenté par un gars qui s'appelle Dark Vador. D'accord. Et qui est noir. Bon, raciste, raciste. Hein, complètement. Là, on est dans le racisme. Ensuite, voilà, le but étant évidemment de battre. Ce méchant Dark Vador, Dark Vador qui n'est pas sympa, qui est un mauvais bougre. Si on a placé, voilà. Là, je sais pas, ils sont. Attends. Du coup, ça a commencé par épisode 4, ça allait jusqu'au 6. Après, ils sont revenus au 1. Essaie de m'endormir. 3. Le 1, évidemment, ça commence par quoi ? Une course de voiture, bam, ouais. Tatooine. Donc là, on est dans de l'action, dans le film, ça balance. Je tente un voiture. Non. Faux. Ensuite, c'est pas du tout des voitures, hein, c'est des vaisseaux. Oui, en gros, il y a un moment vraiment qui est assez dingue où un des Jedi se rend compte que en fait Dark Vador, c'est son père. Surprise! Du coup, là, il se dit, ah merde, d'accord, donc je suis peut-être un méchant, alors que je fais le bien. Voilà. Du coup, évidemment, bon, là, je passe quand même complètement du coq à l'âne. C'est-à-dire que là, il a évidemment un. Non, je me tente pas. Coq à l'âne, je tente pas. Il a évidemment. Il couche avec sa. Le gars qui est gentil, il couche avec sa sœur, mais il l'apprend après. C'est-à-dire, ah merde, t'es ma sœur, mais du coup, ça fout un bordel monstre dans toute cette affaire. Bordel ? Non. Oh, non. Qu'est-ce que je pourrais voilà, je pense que j'ai terminé. Alors j'ai réussi à placer surprise, action, racisme. Et j'ai passé du coq à l'âne qui était en rouge. Vous avez longtemps hésité. Oh, putain, je l'ai vu en plus, je l'ai vu. Ouais. Ah tu nous as fait une partie. Là il s'est bien. Mais je n'ai évidemment rien pitché. 5 points pour la tragnance. Ouais. Bien joué, bien joué. Costaud. Autant nul en cinéma mais pas mal. Inception. Oh là là. Inception, le technique. Inception. Le technique mais. Lui, je crois qu'il va vouloir trop en faire. On va le voir. Et avec sa théorie, ça va très bien. Il va avoir trop de mots pour qu'il y ait des vrais mots. Alors, Inception, en fait, c'est un film déjà de Christopher Nolan, qu'on salue. Le pitch, en fait, en gros, c'est que Leonardo DiCaprio. Et en fait, ils ont trouvé le moyen de pouvoir te faire voyager dans tes rêves. Ils t'expliquent qu'en fait, il y a des paliers et plus t'es bas, plus t'es dans un rêve profond et plus le temps passe lentement. J'ai adoré ce film. Donc voilà. Donc en fait, on va suivre les aventures de DiCaprio au milieu de ses rêves en fait. Ouais. Et donc, il va essayer de retrouver sa femme qu'il avait quittée avec ses enfants depuis des années. Et c'est à travers ça qu'il peut revivre un petit peu tous ses moments de bonheur avec ses gamins. Et tu sais jamais si t'es dans le rêve ou si t'es dans la réalité. Et en fait, on se rend compte qu'en fait, pour rêver
réveiller les mecs, c'est pas si simple, parce qu'en fait, faut passer de palier en palier. Et si tu le réveilles quand il est au dernier palier, bien t'es sûr. Baisé. Et donc, en fait... Pas mal, hein. Il est fort, il est fort. C'est fluide. Ouais. Et donc, il va se retrouver dans ses rêves, et en fait, ils vont devoir aller le rechercher, parce qu'il est Keblo dans un de ses rêves. Donc, les mecs, ils vont de rêve en rêve pour essayer d'aller le chercher. Il est fort. Et en il fait, on se rend compte, à la fin, le reveal du truc, c'est qu'en fait, depuis le début, c'était un yeuve. Qui est dans, je sais pas si vous vous rappelez du film, un yeuve noache là qui est sous électrocardiogramme et il est en train de canner et il revit. C'est vrai ça ou pas? Je crois que c'est vrai parce qu'après il y a une espèce de bataille avec, pendant qu'ils font l'électrocardiogramme. Dans la neige, etc. Et ensuite, pour garder. Ouais, moi je vais être l'électrocardiogramme. Oh putain, l'enculé! En plus, il est vraiment sous électrocardiogramme, ce bâtard! Il a vraiment le que truc comme as à la fin et tu te rends compte, c'est la fin que c'était lui. Curieux de savoir combien t'en as placé parce que c'est vraiment bien fait ce que t'as fait. J'ai placé bonheur. Aventure et simple. Pas mal. Fort. Bon, fort. Bah, j'en ai pris 3 quand même. Bravo, hein. Bravo. Et un point pour Binge qui nous a. Et je prends un point et on n'a pas eu de moins 1. Non. Personne, vous avez pas trop tenté. Ouais, non, parce que. Là, si, tu l'as fait trop fluide. Ah, pas sur celui-là, il n'y a pas eu de moins 1, mais il y a eu des moins 1 avant, non? Même pas, je crois. Non, rappelle-toi. Ah non. Oui, bien sûr. D'accord, c'est pas bonne ambiance. Bon, non, mais très bien, j'aime bien. Ouais. Alors. C'est beaucoup plus un mouton. Terminator. Non. Mais non, non. Tu sais que j'ai adoré ce film. Quand Schwarzenegger a Walpé, il va chercher son cuir là dans le bar où ils font genre on va te la mettre. Et il prend le petit perfect. Et la moto. Et ensuite la moto et il va sonner chez tout le monde en disant Sarah Connor, si c'est pas elle, il la bute. Ouais, ça mais je l'ai jamais vu. Voilà, au lieu de prendre l'annuaire comme tout le monde. Bien sûr. Voilà. Je ne l'avais pas vu. T'as pris connaissance de tes mots ? Et j'ai pris connaissance de mes mots. Et c'est parti ! Allez ! Alors je sais plus s'il y en a un, deux ou trois déjà. Il y en a eu plus que ça encore. Plus que ça. Ah, ils ont continué là. Il y a eu du préquel. Hein. Il y en a eu pas mal. Bon, en gros, globalement, c'est l'épopée d'un cyborg. En gros, j'ai pas vu non plus. Hein, je suis comme toi. Ouais. Épopée. Mais casse-toi. Mais parce que depuis tout à l'heure ça joue safe, ça veut pas le dire tout de suite. Je me suis dit j'en mets un tout de suite, comme ça il est. J'ai la distache en grand. Ah ouais, non. Quand je vois quelqu'un qui me dit trois fois de suite, en gros. Non, 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 mais. C'est... Bon, dans le film il n'y a pas de vibromasseur. On est tous d'accord. Vibromasseur du coup. Harry Potter. Ah, t'as encore pris un point sur le tour d'avant. Bien sûr, je prends là, on le note là en post-prod. Harry Potter, tous les Potterhead me regardent. Ils sont tous comme as. Hein. Ouais, je pense que c'est. On en a déjà perdu la moitié sur Star Wars. Harry Potter, vous connaissez tous, hein, une épopée, je crois, anglaise, puisque ça a été écrit de main de maître par J.K. Rowling, qui donc va parler d'un petit garçon. Petit garçon, le gars c'est un magicien, il va comme ça voler de ville en ville, et pas d'aéroport en aéroport parce qu'il a un balai. Et donc en fait il va se faire découvrir parce qu'il y a deux profs, il y a une vieille, qui je sais plus comment elle s'appelle, et Dumbledore, qui vont le découvrir. Il habite dans une espèce de copropriété, ou c'est un appartement, je crois, de... je crois que c'est... Oui. Copropriété. Moins un. Merci. Alors c'était appartement. Voilà. Appartement. Toujours pas. Non, non. Là je distribue là. T'en veux non, je distribue là. Comment il s'appelle l'énorme gars là? Hagrid. Hagrid, voilà. Qui est quelqu'un de très très fat, on pourrait dire, d'énormissime. Quoi, on pourrait dire ça comme ça. Énormissime. Et non. Ah, je distribue. Donc voilà, et donc en gros, il a un balai, donc il voyage, il lâche des sorts. Il y a pléthore quoi d'acteurs dedans. Ça, il y a pléthore d'acteurs dedans. C'est une comédie dans laquelle une comédie. Ouais. Tout le temps de comédie? Non. Ah d'accord. dans laquelle il va essayer de récupérer le Graal sacré. Graal. Et non moins un. Le Serpentard. T'en as placé combien, bâtard? Je n'ai même pas placé. J'en ai placé qu'un seul, c'est comédie. Mais j'ai fait un full moins un. Je vais gagner par full moins un. C'est une stratégie parce que je ne pouvais pas. Gargantuesque. Ah, j'ai placé gargantuesque. Ah ouais, t'es sûr? Deux points gargantuesque. Oui, puis j'ai dit c'est énormissime. Gargantuesque. Non.
J'ai pas placé Gargantuesque. Non. Ah, j'aurais juré, toi. j'ai placé que comédie. Le film Le Joker. C'est pas ce film sur le jus d'orange. Hein. Non, sur un mec qui fait de la musique. Le disque Joker. Oh oui. Voilà. Et celui-là même. C'est pas celui qui fait du cheval. C'est pas le Joker. Non, c'est le bébé Le Joker, bien sûr. Alors c'est un film qui se passe à Gotham City. Voilà, une ville un peu inventée de toutes pièces, mais qui ressemble, il me semble, si je ne trompe pas, à Chicago. Voilà. Bon. Ça c'est dit. Il y a un gars qui s'appelle, je ne sais pas son vrai prénom, mais qu'on va appeler le Joker, qui en fait a une maladie. C'est qu'il ne peut pas s'empêcher de rire, comme un toc. C'est-à-dire oui. qu'il est, il rigole tout le temps, qu'il est prisonnier de ce toc-là. Donc il n'arrête pas de rire, etc. Et en gros, il se dit que il pourrait. Hein? Je tente un prisonnier. Putain! Oh t'es et bon, oui t'es bon, j'ai aimé la. Oui, en plus, il était bien, il était bien. Il passé par la tête, mais j'ai pas osé y aller. Ah, il m'a passé par la tête, mais j'ai pas osé y aller. Mais tu sais que c'était pas mal fait. J'étais carrément trop loin. Tu joues contre. T'es en Champions League aussi. Hein. Elle était hyper bien contextualisée. Moi, je suis tombé dedans. Il prend des tocs, machin, donc il est prisonnier de son. Seulement, je le connais. Il a jamais dit le mot prisonnier depuis 4 ans. C'est ça qui est dommage. Alors, il y a quand même donc romantique. Sur des mots depuis 4 syllabes. Voyage, braquage. C'était celui que j'allais passer. C'est celui que j'allais passer juste après. T'en as passé ou pas? Ben, c'était prisonnier. Il y avait que prisonnier direct. T'avais mis aucun. Ouais. Et Karl Marx, Kirikou. Frère, Viagra, lymphatique. Lymphatique et Tombouctou. Je suis sûr que lymphatique, tu pouvais nous le mettre. Ouais, lymphatique. Oh, quoique. Ouais, il est technique là. Personne ne dit le mot lymphatique. Lymphatique, ça n'existe pas. Non. Oh, Alice au Pays des Merveilles. Ok. Dessin je animé vois. Qui a été aussi fait en film. En live, tout à fait. En live action. Grand livre. Alors, Alice au Pays des Merveilles, c'est un film à la base. Enfin, non, c'est un conte. Ensuite un dessin animé, puis à la fin un film sur nos écrans. Elle est perdue dans le pays, elle est dans le pays des merveilles. Ça, dedans, t'as un chat qui fume la chicha. Des fois, il se fume des petits cigares. En tout cas, le mec, c'est un gros fumeur. Ouais. C'est une chenille en plus, chelou. Il y a un chat avec des yeux qui tournent. Cigare, on le tente ou pas? On est d'accord, cigare. Moi, je vois cigare. Mais après, il y a des chiens de plusieurs races. Il y a vraiment toute forme d'animaux. Il y a même des animaux un peu plus exotiques et tout. Vraiment, c'est. Et donc, elle. Ça ressemble à une mauvaise chance, mais vas-y. Je tente l'exotique. Et ben, ça fait moins un. Ah, je me suis jeté à l'eau. En tout cas, on peut dire qu'au niveau des animaux, il y en a vraiment de toutes les contrées. Et donc, en fait, on se rend compte. Entrée. Eh bien non, ça fait moins un. Oh là là. Ça y est, il a pris. Oh, mais bien sûr, j'ai dedans, compris. Tu sais, c'est la baisse de volume dans la voix là, sur contrée. J'ai bien compris comme on ça. On est mort. En tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on la suit, elle se balade, elle est dans la forêt, au milieu de la nature, et là, elle voit plein d'animaux qui causent. Ils causent avec elle, tu vois. Et donc, en fait, on se rend compte que ce qui est un petit peu chelou, c'est que, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu ces démons qu'elle affronte. Elle est un petit peu sur un voyage intérieur. Moi, ouais, c'est un mot plus avant, nature. Oh putain! Aïe. Bien joué. C'est bizarre, elle est dans la forêt, elle est dans la nature. J'étais sur introspection, j'étais déjà en train de vous le caler là. Très bien. Putain, bah donc j'en ai placé aucun parce que nature, moi je l'avais déjà compté et putain, il est venu me rattraper sur le callback. T'en avais pas un qui était en train de placer là? J'étais sur introspection, j'étais voyage intérieur. Ah, il y a une TM à placer. Elle est dure, celui-là. Eh ben, ça fait un point pour Benjamin. Très bien. Putain, ça prend. Quel est le film? C'est Tarzan. Allez. Ah ouais, je me rappelle très bien de celui-là. Oui, Greystoke. Greystoke avec Christophe Lambert. Exactement. L'excellent Christophe. Donc, un mec qui naît au milieu des gorilles. Cheetah, tout ça, il me semble. Ça, c'est le blaze. Oui, c'est ça, c'est Cheetah. C'est ça, Cheetah. Oui, il y a Cheetah avec Jane. Jane, R2-D2, tout ça quoi. Il est tentant. Cheetah, ils y vont pas. Ils jouent pas piège. Ils y vont pas. Alors, prends le ils y vont gars. Pas. Oh là là. Est-ce que je peux terminer? Il est provocateur sur le terrain. Qui se réveille dans la jungle, tout ça, élevé par des gorilles et patati patata, et qui donc décide à un moment ou à un autre d'aller en ville. Tu tentes? Moi sur le et patati et patata. Non. Ah là là. Personne ne dit ça pourtant. Vous souvenez
Assis, pata pata. On l'a tous chanté, Très, très bien. C'était été 98. Donc, tu confonds pas avec Yael et l'eau ? Ils vont non, crépuscule, logiciel, voluptile, coloscopie, restaurant, bâtiment, salon, ordinateur. Il nous les place tous. Il nous a eu à l'ambiance. Il nous a eu en fête foraine. Essaye de retenir un mot de ce qu'il a dit. On est mort. Ah, le malin. Du Guéclin. Allez, t'as dit du Guéclin. Comment ? Du Guéclin. Ouais. Il y en a d'autres ? Ah, putain, faut écouter, il en a pas sûrement trois, le bâtard. C'est bon, vas-y. Faut pas qu'on s'ambiance trop, les gars. Du coup, il se déplace donc jusqu'à la ville. Il mange quelques fruits, quelques légumes. Légumes ? Faux. Oh. Et j'ai tout placé. Si, j'ai tout dit. J'ai tout dit pendant que vous dansiez. Vous parlez, ouais. Il a tout placé. Ah, mais écoutez, les gars, vous voulez pas m'écouter pendant le pitch ? Vous voulez pas m'écouter pendant le pitch ? C'est un 15 points. Oh là, les Gremlins. Oh, film assez sympa. Ouais. Exactement, les Gremlins. Alors, les Gremlins. Ah ouais, j'ai l'impression que j'ai un problème d'articulation. Donc, en gros, c'est un gars, il achète un petit animal. C'est un Gremlin, c'est trop gentil. Je crois qu'il s'appelle Gizmo à la base. Et C'est un Mogwai, exactement. J'avais pas le terme technique. Donc, c'est un Mogwai qui. C'est Jodia Bonito. Et donc, il l'achète et surtout, il faut pas lui donner à boire la nuit. Ça, c'est un truc, la déshydratation. Déshydratation. Moins un. Il faut pas qu'il ait de liquide sur lui. Et le truc, c'est qu'en fait, à un moment donné. Liquide. Il m'a eu sur lui. En plus, liquide, il colle. Hein. Il colle trop. Il avait ça, déshydratation. Moins un. Pas trop de liquide. Je t'ai vu. Tu t'es dit en loose. Je l'ai vu. Sous le manteau. T'en as placé ? Je n'ai placé aucun. moi, j'ai eu articulation et à un moment donné, il y en a une autre aussi où je me suis dit. Le plus facile à placer, ça aurait été Christophe Colomb. Évidemment. Il croyait Christophe Colomb et Bouillabaisse, mais vous m'avez pas laissé le temps. Très dur pour moi. C'est quoi le film ? Le dîner de cons. Ah, j'ai vu ma liste, et si franchement. Pas sur mesure. Si j'arrive pas à en placer, je suis un peu une dumps. Tu vas pas de l'écrire, tu vas. Prends le stylo. Prends le stylo dans la poche. Bon, Benjamin ? Oui. Allez, c'est parti. Alors, c'est un film français, voilà, tip top, quoi. En gros, c'est des gars qui organisent des dîners tous les mercredis soirs où ils invitent à ce dîner chacun un con au dîner. Voilà, et il y en a un, il lui manque un con. Et du coup, il y a un de ses collègue de ce dîner qui rencontre dans un train un mec très très bête et qui... Très bien fait jusque là. Soit il a pas compris le jeu, il en place aucun. Soit il est très bon. Hein. Et qui se dit, bon bah c'est trop con, vous faites des tours ils veulent Eiffel. Vous faites des tours Eiffel en allumettes, combien de tubes de colle, voilà. Venez au dîner. C'est juste pour l'instant. Et il veut rencontrer. Et il veut se rencontrer, etc. Et. En gros, il vient à ce dîner et il se passe. Enfin, il vient chercher le gars avant d'aller au dîner pour lui montrer ses maquettes et il se passe évidemment plein de péripéties, plein de choses qui vont pas. Donc, par exemple, là, ils se rendent compte qu'il y a. Une meuf. Moi j'ai 15 points, je l'attends, péripétie. Du coup il y a un moment, il y a la femme du gars chez qui il est, qui normalement est peut-être en train de le tromper, donc ils appellent un gars, un commissaire, je sais pas comment, un gars qui regarde en gros les impôts, quoi, je sais plus comment on appelle ça, et qui regarde, et puis du coup il est là, il soulève une lampe, il y avait un bibelot là, là on se marre bien. S'il a bibelot, il peut jouer au loto ce soir. Évidemment, qu'est-ce qu'il y a ? Du coup, il lui fait à bouffer, je crois, il met du vinaigre dans du vin. Alors, il lui apporte, je crois, je sais plus ce qu'il y avait comme plat, mais du coup, je sais plus ce que c'était à bouffer, non ? Je sais pas si vous vous souvenez. Donc, il lui apporte donc ses couverts, sa serviette. Voilà, il lui propose après de goûter le vin. Il y a couvert ou serviette là-dedans, attends. Faut que tu choisisses. Ouais. Serviette. Bien joué ! J'en ai placé qu'un. Ah, t'as placé qu'un ? Ouais, la lampe.
il soulève la lampe, il y avait un bibelot. Eh, comme pas... tu nous as enfumé dans une histoire très longue. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est ça, en fait. J'ai vraiment raconté l'histoire. C'est pas en dire. Non. En fait, j'en voyais arriver, il y avait vestibule où je me suis dit, ah, peut-être, mais c'est quand même gros. Dans les bleus, t'en avais pas des plus faciles. C'est dur parce que t'as j'avais volet, ruelle et robinet. Et donc, Astérix, Mission Cléopâtre. Oh oui. Qui est le seul film Astérix dont on peut parler. Évidemment. Les autres, voilà. Jeux Olympiques, tout ça, on n'a pas vu. Hein. Adaptation cinématographique d'Alain Chabat, de cette célèbre bande dessinée du Uderzo et Goscinny. Alors, pour moi, personnellement, il y en a eu un avant, il y a eu celui-là, pour moi, c'est le meilleur, hein, on va pas se mentir. C'est sur le fameux Astérix et Cléopâtre qui se passe en Égypte. Donc, dans ce film, il y a un casting un peu 3 étoiles, on va pas se mentir. Je le tente avec étoile. Et ça fait moins un. Il y a Jamel qui joue le gentil avec toujours Clavier et Obélix. Côté méchant, c'est Darmon, je crois, le méchant. T'as Darmon et t'as Dieudonné, je crois, qui joue les méchants. Et Jules César, c'est Alain Chabat. C'est ça. Et Cléopâtre, c'est Monica Bellucci. Donc casting 3 étoiles. On est aux petits oignons. J'ai envie de retenter étoiles. Et puis après, le problème, c'est que sur les suivants. C'est sur les suivants. C'est l'oignon là qui gratte, hein. J'ai pas envie de perdre de points ici. Moi non plus, là, moi je me suis jeté à l'eau. T'en as 60. Allez, je l'attends pour vous alors. Que pour vous. Le problème, c'est que sur la suite, sur les Jeux Olympiques et tout, ils ont empilé les guests et à la fin, on a perdu un peu ce sens-là. Je m'en rappelle des trucs, t'avais toute la Terre qui participait. T'avais des Tony Parker, des Zizou, des machins, c'était n'importe quoi. Ensuite, on peut. Terre. Non. Loser. Il y avait toute la Terre qui participait. Je trouve un peu raccroché aux branches. Non, mais on peut dire que... Attends, mais Tony Parker, il a vraiment joué là-dedans ou pas? Non, je crois que c'était Zidane en plus. Et Tony Parker a pas joué. Ah, je sais pas, hein, mais ça. Eh, tentez-le. Tentez-le, je le sens fébrile. Tentez-le. Aïe, aïe, aïe. Et ensuite, ça part en concert. Il y a Madonna, il y a de la Zumba, c'est n'importe quoi. Et donc, moins un. Attention, les gars. Je suis chaud, là. Et donc, on va se reconcentrer sur ce film-là, parce que lui, franchement, c'est celui qui est bien. Il doit. En fait, en gros, Jamel, il doit. Sinon, il meurt. Construire un palais incroyable pour Cléopâtre. On s'en rappelle de ça. Il est là avec Cannabis, tout ça. Scène très drôle. Très très drôle où ils se font la bataille sur les. Ils se font la bataille. On peut dire vraiment. Non mais. Voilà. Il serait bon, hein. S'il nous a placé Cannabis, il serait et, bon. Hein. Et la truc, c'est qu'on se rappelle, c'est une scène qu'ils ont refait de la BD. Où, fini. C'est fini sur les deux. Ouais. Ok. Alors j'ai placé Méchant. J'ai placé Zizou. Ah putain. Et comme Zizou il est dans le mais 3, mais oui, c'est vrai. J'ai fait le détour et je vous ai mis par cœur avant pour que vous tombiez dedans. Oh, qu'est-ce que t'es bon. Oh, j'ai joué vraiment coup franc. J'ai joué coup franc et après je crois que c'est tout ce que j'ai mis. Hein. Oh. On a fait les 3 tours. Je sais pas au niveau du compte où est-ce qu'on en est parce que t'avais pris beaucoup d'avance mais t'as beaucoup buzzé. Sur celle-là, il y a eu des hécatombes. Il y a eu de l'hécatombe sur celle-là. On regardera à la fin, on fera les comptes de qui est gagnant, mais je pense que ça se joue entre vous deux. Voilà, mais messieurs, c'était un plaisir. Ouais. Mais c'est un plaisir. Ça les gars, a joué fin. Ouais, ça a joué vulgos. Je vais déposer le jeu en sortant, moi, en tout cas. Mais c'était cool. Prendre des notes sur ton jeu. Bien sûr. Je suis pas bête. En tout cas, merci. Allez checker la chaîne de ces messieurs. Avec plaisir. Ça, il y a beaucoup de vidéos, ça reprend. Il y a des choses, ça rigole, c'est de la bonne humeur. Attention aux promesses frauduleuses. Parce que là, ça rigole, je sais pas. Il y a de la vidéo. Il y a de la vidéo. En tout cas, il y a un GH5 avec une carte SD. Ça, c'est sûr. Ça filme des trucs. C'est sur une plateforme gratuite. Et sur une plateforme. C'est important. En tout cas, ça met du contenu. Ça met du contenu, vous trierez. Vous trierez, tout n'est pas bon. Tout n'est pas bon, mais il y a 2-3 perles si on regarde bien. Ça va. Il y a également un spectacle. Ça se joue aussi sur scène, monsieur Tranier. Alors. Eh, couvre-feu ou pas, il joue à 19h, alors rien à foutre. Exactement, normalement, là, je sais pas quand vous allez diffuser ça, mais ça sera au Palais des Glaces à partir de janvier. Ça joue pas dans des petites salles, j'ai l'impression. Et non. On vous aime. Mettez-nous en commentaire des thèmes et des mots imposés. Pour les prochaines fois qu'on puisse se régaler avec vous. C'est beau. La vie est une régalade. La vie est une fête. Et le mot de la fin, Daco ? Coloscopie. Très important. Toujours le dire discrètement, ça passe. On vous aime. Alors, on espère que t'as kiffé cette petite vidéo. Bon, tu connais le principe, hein ? Le pouce bleu, le commentaire, et on s'abonne. Tu t'abonnes, allez, on te regarde. Abonne-toi !